ça va? Je pense que c'est lui qui porte. Oh non, parce qu'il a fait un sac. Oui. Sinon, j'en ai trois. Oui, il faut. Questions, n'hésitez pas. Oui, oui. Il n'y a pas de tomate noire. C'est la tomate noire, c'est une variété, on a déjà ça essayé. Existe, hein. Oui, c'est la tomate noire de Crimée. C'est, plus difficile, c'est hein. Pas plus difficile, mais on a déjà essayé. Les gens n'étaient pas spécialement attirés par ça. Donc, on est parti sur d'autres variétés. Et ils sont pas meilleurs. C'est différent. C'est un peu différent, mais bon, ouais. C'est question de goût et couleur. C'est une facilité, quoi. C'est les gens qui vont dans un magasin, ils trouvent de tout, la viande, les pommes de terre et les légumes. Et donc ils vont là, mais bon c'est vrai que de plus en plus même de jeunes retournent à aller directement chez les producteurs. Notre optique c'était quand même de, ici de la porte ouverte, c'était de montrer que c'était vraiment produit sur l'exploitation et que les gens voient les légumes qui se retrouvent dans le magasin, quoi. Qui ne pensent pas que ça vienne d'ailleurs. Maintenant nous on a la tendance d'aller vers la saison, quoi. On mange ce qu'il y a de saison, il y a toujours moyen de s'en sortir avec les légumes de saison. Absolument. Donc l'exploitation elle compte plus ou moins 75 hectares. Dans les 75 hectares, il y a plus ou moins 2,30 hectares de cultures maraîchères, donc différents légumes. Il y a plus ou moins entre 70 et 80 légumes différents. Et ensuite, le reste de l'exploitation, c'est des grandes cultures. Donc il y a des céréales, des pommes de terre, du lin et des betteraves. Tous les légumes qu'on retrouve dans le magasin, il n'y a pas comme dans les grandes surfaces des produits qui sont mis pour les garder frais quand ils sont cueillis. Donc nous, on cueille tous les vus qu'on cueille tous les matins. C'est les légumes frais. Donc il n'y a pas besoin de mettre des produits dessus. Donc ça, c'est un des avantages. Là, toutes les semaines, par exemple, on voit dans les grandes surfaces, par exemple à Poreau, ben, ils pulvérisent toutes les semaines contre les maladies et les insectes. En culture industrielle. Ils sont à 15-16 pulvérisations sur la culture. Okay. C'est ce que la clientèle recherche, c'est la qualité et la fraîcheur. Exactement. Parce que quand vous allez dans une grande surface, les salades, elles sont déjà cueillies depuis une semaine et donc de nouveau, là, il est pulvérisé et les irradie pour les conserver beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Je passe quoi? Je suis un œil, attendez, monsieur, j'arrive.
dire que le métier d'agriculteur, c'est pas un métier triste, hein? Non. Oh là là, quelle bonne humeur. Faut ça un petit peu. Vous n'êtes que 3 ou 4 à assumer cette immense surface. 3 temps plein et 3... mon épouse après son boulot. Incroyable. Vous voyez, il y a 3 personnes, 3 routes, 3 personnes. Les personnes prennent les poireaux, les mettent sur la bande transporteuse. Le poireau est coincé dans une bande caoutchouteuse et déposé là. Là, il y a un socle qui ouvre la terre, là, il y a un socle qui ferme la terre. Hop, le poireau est repiqué. Ça va plus vite que dans votre jardin, hein? Si on va en train normal, on peut repiquer 6 000 poireaux à l'heure.